Bonjour à tous, nous sommes mercredi 16 septembre, c'est parti pour les arrivages offres spéciales Lidl. Alors à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, on a le filet de 5 kg de pommes de terre à 1,99€. On a les sachets aussi de pommes pour 2,99€, c'est un sachet de 3 kg. Promotion sur le lot de 3 tablettes de chocolat noir dessert, donc pour faire plein de gourmandises, 3,64€ les 3 tablettes. On a une offre sur le papier de toilette, 2 plis, les 24 rouleaux à 4,05€. Allez, on va commencer par la gamme beauté. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est la gamme à la grenade et baie de goji, donc c'est une gamme vegan. Donc on a le contour, ça doit être le... Enfin la crème pour les yeux, j'allais dire contour pour les yeux. Il est à 1,69€. On a la crème de nuit. Elle est à 2,29€. Et on a aussi la crème de jour. Donc crème de nuit, crème de jour et je fais tout tomber. On a aussi l'huile pour le corps. Pareil, 2,99€. Donc l'huile raffermit la peau et améliore l'élasticité. Et on a la lotion pour le corps. La lotion est à 1,79€. Alors cette semaine, c'est les saveurs du monde. On a dans le rayon surgelé des gyoza. C'est des raviolis farcis au poulet ou aux légumes à 2,29€. Des taepenyaki, donc c'est du riz cuisiné au poulet grillé et aux légumes à 2,49€. On a des nouilles sautées à la taille bio à 2,59€. Yakitori, brochette de poulet à 2,79€. Poulet au basilic, taille et son riz basmati à 2,49€. Ensuite, on a le Mexique avec ses filets de poulet à la mexicaine à 3,29€. Ensuite, on a des banbao au porc coriandre à 2,39€. Des raviolis vapeur à cacao crevettes. 2,49€. Acra de morue sauce aigre douce, 1,59€. Des crêpes fajitas, donc à la mexicaine, donc crème au froment garni, sauce tomate, poulet mariné et poivron à 2,09€. Mini samosa au bœuf, 2,39€. Des chimichangas, 1,79€. Falafel, 1,79€. Donc falafel, hein, je vous dis toujours, c'est des boulettes de pois chiches. Des croquetas à 1,79€, donc à l'emmental et au poivron. Les feuilles de brique, 79 centimes. Alors avec des feuilles de brique, on peut faire plein de choses, avec pas grand chose. On peut juste mettre un petit peu de pommes de terre dedans, avec un petit peu de fromage. On peut faire après des plus un peu plus élaborés, avec viande hachée, épices, etc. etc. On peut en faire des sucrés, on peut faire juste avec un œuf dedans. Donc vraiment, les feuilles de brique, c'est pas mal pour ça. On peut faire plein de choses. Avec pas grand chose. 12 mini nems, 2,49€. Donc c'est des nems au porc. J'essaie de regarder s'il y a une autre variété. Non. Après, on a des nems au poulet cette fois-ci à 1,99€. Il y en a 8. Et sinon, on a des nems aux légumes avec sauce. Donc si vous n'aimez pas les viandes, vous ne mangez pas de viande. 1,99€. Assortiment en vapeur, 3,69€. Il y a deux sauces. On a les beignets de crevettes à 2,99€ et le plateau mandarin à 3,99€. Donc le plateau, c'est vraiment un assortiment. Il y a des nems, il y a des bouchées, etc. Et il y a les sauces avec. Côté, je dirais Inde, on a le poulet tikka masala. C'est trop bon ça. 4,49€ la sauce. J'aime beaucoup la sauce, enfin la sauce qui est avec le riz. Donc 4,49€. Sinon, on a aussi un assortiment indien avec deux sauces curry à 3,39€. Allez, je vous le montre parce que sinon, ça sert à rien. Donc, on a des petites bouchées. Ça doit être peut-être des falafels. On a 6 samosas poulet. C'est écrit dessus. Je ne sais pas pourquoi je cherche des fois. 6 pakoras légumes, 6 boulettes de poulet aux épices tandoori avec deux sauces aigre douce. Porc au caramel et riz thaï, 4,19€. On a des nouilles de riz au bœuf sauté à la sauce soja à 5,49€, il y a 1 kg. On a du riz cantonais
1 kg pour 3,99€. Secret de mousse, la laitière au chocolat noir à 1,29€. On a une offre sur le Saint-Hubert Oméga 3. Le premier produit est à 2,91€. Si vous prenez les deux, c'est 4,07€. On a de la feta grecque, 3,89€. Alors feta, on peut faire plein de choses, pareil, des préparations. On peut faire plein de préparations. On peut faire aussi juste dans une salade, avec un petit peu d'olive noire, un peu de concombre. Enfin, une salade grecque, quoi. Guacamole, 2,09€. Pur jus ananas passion, 1,99€. Alors, je crois que c'est ananas passion et mangue. Alors, on a une petite offre sur la crème entière et les vires. Donc, on a les deux briques pour 2€. Donc, la première est à 1,43€. Si vous en prenez deux, ça fait 2€. Donc, moins 60% sur la deuxième. Sur les brassées, on a une offre aussi. Donc, on a les deux paquets pour 4,26€. Ça fait moins 20% sur le deuxième. Donc, si vous en prenez un, c'est 2,37€. Si vous en prenez deux, c'est 4,26€. Une offre aussi sur le samouraï. C'est trop bon, le samouraï. Sur du pain bien frais ou tout simplement, moi, quand je fais des petits apéritifs, je tartine des tranches de jambon et je fais des petits roulés que je découpe en petits morceaux et ça plaît toujours. Donc le samouraï, 2,99€ le produit. Si on en prend deux, c'est 4,18€. Et sinon, on a les petites portions. Les deux produits pour 2,66€. Sinon, le premier est à 1,90€. Promotion aussi sur la mozzarella, donc le premier produit 59 centimes. Si vous prenez les deux, c'est 1€. Alors là, en plus, les tomates sont en promotion. Je crois que c'est 1,49€ le kilo. Alors une petite salade très rapide, très simple. 2-3 tomates, une petite boule de mozzarella. On coupe le tout soit en tranches rondes, soit en petits carrés, comme on veut. Un petit filet d'huile d'olive et c'est parti. Avec un petit bout de pain frais quand même. Ou sans le pain, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a des épices. Alors, des épices, il y en a au rayon épices. Hein. Il y a pas mal de choix en plus. Et de temps en temps, on a comme ça des épices en sachets. Donc, c'est des sachets de 100 grammes. Alors, il y a du curcuma moulu. On a épices tagine. Donc, en fait, c'est un mélange de plusieurs épices. Curcuma, coriandre, cumin, sel, gingembre et poivre noir. On a du curry indien. Alors, ça, c'est super pour le poulet. Enfin, moi, j'utilise pour le poulet. Donc saupoudrez-le dans vos sauces, riz et légumes, ajoutez aussi dans le riz. C'est vrai que quand on fait du riz, à force de manger du riz blanc, on peut rajouter un petit peu d'épices, ça met un petit peu de couleur dans la vie. Oh tiens, je reprends un commentaire d'hier, l'une de vous m'a dit « mettez des paillettes dans votre vie et des épices dans vos repas ». Enfin, je ne sais plus comment c'était bien dit et j'ai trouvé ça très beau. Et c'est vrai qu'un petit peu d'épices, eh ben, ça change un petit peu le goût. Alors si vous n'avez pas l'habitude de mettre des épices, vous mettez une toute petite pincée. Puis après, vous augmenterez au fur et à mesure, mais ça change vraiment. Ça accommode, vous pouvez en mettre partout, hein, riz, pâtes, un petit peu dans ce que vous voulez. Ras El Hanout, alors ça, c'est un mélange d'épices. Et c'est vrai que d'une marque à l'autre, ou voilà, on ne va pas retrouver les mêmes épices. Enfin, il y a une ou deux épices qui changent, mais voilà, c'est vrai que là, ils disent que c'est pour les riz, légumes, crustacés, viande. Côté dessert, gâteau au miel, friandises, au beurre et amandes. Alors, j'ai jamais mis ça dans les gâteaux. Voilà, peut-être essayer. Hein. Cumin moulu. Gingembre moulu. Alors, le gingembre moulu aussi, une fois j'en avais parlé, on peut en mettre dans du lait. Si on est un petit peu, si on a des petites nausées, etc. Le gingembre, c'est très très bon pour la santé. Et bien sûr, on peut en mettre aussi dans les préparations, hein, c'est fait pour ça aussi. Alors le gingembre, c'est une épice qui chauffe. Sésame doré, on peut en mettre sur des gâteaux, mais on peut en mettre aussi par exemple sur le saumon. Je vous parle souvent de saumon au four, on peut en mettre sur le saumon. Je ne sais pas si je vous ai dit, du coup c'est 69 centimes le petit sachet. Lait de coco, pareil, lait de coco on peut faire. Alors moi je suis plus côté sucré. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de recettes, hein, des îles où on met le lait de coco. Donc alors derrière il y a même des petites recettes. Crevettes, riz au lait coco. Donc le mieux ça serait peut-être de trouver une brique. Ah bah voilà, smoothie tropical. 1,95€. Mini poivron, 1,18€. Il y a jaune et rouge. Je vois que le jaune pour le moment, mais il y a du rouge aussi. Il y a les sauces salsa, alors ça c'est très bon avec les... je ne sais jamais comment ça s'appelle, les chips là, bref. C'est 78 centimes,
Il y a salsa. Alors quand vous achetez des sauces comme ça, il y a en général ici écrit faible, etc. C'est en fait au niveau du piquant. Donc on a guacamole, on a celle-ci qui est barbecue. Voilà, donc après, il y a plein de goûts. Maïs, haricot, dans la sauce tomate, 58 centimes. On a la sauce salsa, 98 centimes. On a d'autres sauces mexicaines. Celle-ci au fromage piment. Donc on a la sauce fajitas. Donc c'est une sauce avec du poivron à base de tomates, poivron, etc. Donc après, en général, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire revenir votre viande dedans ou l'utiliser tout simplement comme accompagnement pour le riz ou les mettre ici dans vos fajitas. Kit pour tacos, 1,58€. On a des pains la vache, 1,39€. Vous voyez, vous pouvez très bien mettre un petit peu de sauce comme ça dedans. Enfin, allez, faire revenir un petit peu peut-être de poulet, escalope de poulet. Mettre un petit peu cette sauce et en faire des petits... alors je sais jamais si on doit dire wrap, enfin bref, faire ça. Allez, quelques gourmandises avec ce gâteau à la noix de coco, moelleux à la noix de coco à 2,59€. Et à côté, on a des boules de coco. Alors moi, je raffole de la coco. Alors, faut pas que ce soit trop trop fort non plus. Mais voilà, des petites boules de coco à 1,99€. Et côté Orient, on a cet assortiment de baklawa, qui sont d'ailleurs très épais, très haut, à 3,79€, cacahuètes et amandes. Petite promo sur les infusions nuit, tranquille, 1,54€. On a des noix de coco givrées. Alors, ça va être très difficile pour moi de résister. On a les noix de coco givrées ou les oranges givrées. Alors, d'habitude, on a du citron, mais là, on a seulement ces deux-là. C'est 4,79€. Il y en a 4 à l'intérieur. Ensuite, on a de la lessive extra, les 3 bidons pour 14,35€. Bon, il y a encore plein d'autres petites promotions, hein, comme le pur jus d'orange. Vous avez les 6 bouteilles pour... 10,75€, c'est des bouteilles de 2 litres. Et pour finir, on finit par les petits chocolats à l'atelier. Donc c'est du chocolat avec à l'intérieur des amandes, myrtilles, etc. C'est 1,92€ la tablette. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, je vous remettrai quelques petits articles offre spéciale promo Lidl dans mes vidéos de la semaine. J'espère que vous avez pu trouver des petites choses intéressantes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.